tous. Aujourd'hui, nous allons étudier les structures qui vous permettent d'insister sur des éléments de la phrase. Par exemple, ce qui blablabla c'est, ce que blablabla c'est. Ce qui s'utilise comme sujet du verbe, ce que s'utilise comme complément du verbe. Ce qui et ce que ont exactement la même signification. C'est exactement comme si vous disiez la chose qui ou la chose que. Pour résumer. Alors, aujourd'hui, pour illustrer la leçon, je vous propose une interview de Madame Popova, ici présente. Bonjour Madame Popova. Bonjour Sophie. Merci beaucoup pour avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, Madame Popova, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Ce qui me plaît, c'est lire, par exemple. Très bien. Et ce que j'aime, c'est me balader au bord de la mer, écrire, par exemple, aussi. Très bien. Alors, je sais que vous aimez particulièrement Paris. Qu'est-ce qui vous plaît tant à Paris? Ce qui me plaît à Paris, c'est la richesse culturelle. Et ce que j'aime à Paris, en fait, j'aime beaucoup de choses à Paris. Et ce que j'aime à Paris, c'est... Les monuments. Les monuments, l'architecture. L'architecture. L'histoire. D'accord. Les petites boutiques. Ah, très important. Les restos. Donc, toute la vie parisienne. D'accord. Je sais, Madame Popova, que vous habitez maintenant à Barcelone. Oui. Qu'est-ce que vous aimez à Barcelone? Et ce qui me plaît à Barcelone, c'est le bon climat. Ce que j'aime à Barcelone, c'est la mer. Ah oui. C'est le soleil. Et ce qui me détend, c'est de me balader au bord de la mer, par exemple. Je comprends. Oui. Très bien. Dernière question. En général, dans la vie, qu'est-ce qui vous énerve? Ce qui m'énerve, c'est le manque de politesse. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Je le dis, c'est le manque de politesse. D'accord, donc ce qui vous énerve, c'est le manque de politesse, et ce que vous ne supportez pas, c'est le manque de politesse. Exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Popova, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, l'interview et la leçon sont terminées. Au revoir et à bientôt.